belle lumière c'est christine de lamour en soi j'espère que vous allez bien ce matin que vous avez passé une belle soirée une belle nuit alors je vous remercie pour tout cet engouement que vous avez eu hier euh, pour la présentation du red lily de tite lily euh, qui est un, un jeu auto-publié français et j'aime bien vous le savez mettre en avant des, des créations françaises euh, J'aime bien également mettre en avant des petits créateurs qui, qui mettent tout leur cœur euh, et tout leur savoir et aussi toute leur énergie euh, voilà. et leur investissement aussi, hein, quel qu'il soit, euh, pour, pour créer ces oracles. Et c'est bien de les soutenir euh, en achetant leurs petits oracles. Alors, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander où se le procurer. Alors, Lily n'a qu'une page Facebook pour l'instant, mais par contre, je vous ai mis sous la vidéo. Hein, donc, euh, sous la vidéo, euh, le, euh, le texte, euh, vous savez, le texte qui est toujours sous la vidéo, où je vous explique ce que c'est, etc., etc. Je vous explique également ce que moi je fais. Vous avez là le lien vers sa page Facebook. Et je vous ai rajouté ce matin, euh, puisque j'ai fait une petite modification pour que vous puissiez tous y avoir accès, je vous ai rajouté son adresse mail. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, je vous invite à aller voir. Euh, ses, ses créations sur sa page Facebook parce qu'elle n'a pas fait que le titre Lily, elle n'a pas fait que le Red Lily, pardon. Elle a fait euh, le tarot or, elle a fait euh, l'oracle arc-en-ciel, euh, elle, elle, elle en a fait de nombreux. Ils ne sont peut-être pas tous réédités. Le, le Red Lily, lui, est en précommande et vous le recevrez fin février si vous le commandez maintenant, donc je vous invite à aller sur sa page. Voilà. Ou par mail. Tout est en barre d'infos sous la vidéo. Moi, ce matin, je vous présente l'oracle œil de lotus, puisque d'après vos votes, c'était le second que vous avez choisi. Bon, on va dire que l'œil de lotus et le tarot onirique se tiennent hein, quand même. Voilà, vous avez été nombreux à voter pour les deux. Donc, j'ai fait mon choix vers l'oracle de l'œil de lotus, mais le tarot onirique arrive vite, 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 ne vous inquiétez pas. Alors, l'oracle œil de lotus, c'est pareil, c'est un oracle qui a été précédemment auto-édité par Colette et Gérard Lougard. Colette et Gérard Lougard, qui ont également créé l'Oracle Soleil, le grand, le, le grand oracle de l'amour. Et en ce moment, les éditions Trajectoire eh bien, rééditent ces oracles. Alors, ce n'est plus la version auto-éditée, puisque là, on passe du coup sur un, sur un éditeur. Hein, donc, ça passe en mass market, ce qu'on appelle. Mais si vous avez euh, la première édition euh, auto-éditée euh, par euh, Colette et Gérard Lougard, eh bien, si vous ne voulez pas le garder, vous pouvez le vendre. Sachez qu'il se vend assez cher, puisque c'est une première édition. Et si vous ne voulez pas le vendre, eh bien, gardez-le précieusement, parce qu'il est vraiment collector, je vous le conseille. Je vais vous prendre l'oracle soleil que je possède. Comme ça, on va un petit peu comparer les deux. Oracle Soleil que je vous avais déjà présenté sur ma chaîne. Là, je l'ai pris avec moi pour vous le présenter après, mais on va d'abord découvrir l'Oracle Oeil de Lotus. Donc voilà, ça, ça arrive dans un joli coffret comme ceci. Donc comme je vous disais également, eh bien en ce moment, les éditions Trajectoire ressortent pas mal de d'oracles qui ont déjà été créés précédemment, auto édités ou pas. Euh, je pense que c'est beaucoup des auto édités quand même, et il est réédite en ce en format comme ceci, c'est-à-dire ils sortent tous dans ce même coffret. Ce qui est bien parce qu'au niveau collector, après vous le mettez dans votre bibliothèque comme ça et vous avez juste le titre, c'est parfait. Voilà, ce sont des jolis coffrets. Donc vous avez l'oracle Œil de Lotus, vous avez l'oracle Béline, vous avez l'oracle Lumière qui ressort, vous avez l'oracle... Euh, des énergies fractales, je crois qu'ils s'appellent. Euh, vous avez l'oracle. Qu'est-ce que vous avez encore Il euh, y en a pas mal. Voilà. Je vous invite à aller voir sur leur, euh, peut-être sur leur page directement aux éditions Trajectoire. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit déjà. L'oracle œil de lotus repose sur un symbolique, un symbolisme fort. Il rapproche le, la représentation par excellence de la clairvoyance, l'œil. Avec le lotus frontal, chakra de l'intuition qui donne accès à la connaissance. Ainsi, par ces images originales et explicites, l'œil de lotus vous aidera à trouver des réponses à vos questionnements, développer votre intuition et stimuler votre analyse personnelle. En consultant le guide qui l'accompagne, vous pourrez approfondir le symbolisme de chaque carte et en étudier la valeur sur le plan numérologique comprendre le sens des associations entre certaines cartes et affiner votre interprétation par rapport aux divers domaines de votre vie. Plusieurs méthodes de tirage sont décrites en détail et illustrées, d'exemples explicatifs. Avec l'oracle de Lotus, portez un regard éclairé sur votre évolution personnelle et vos relations avec les autres. Donc c'est un oracle que vous, du coup, vous pouvez utiliser, euh, comme ils vous le disent, par rapport à cette symbolisme et également euh, la symbolique des, de, de la numérologie. Euh, vous pouvez répondre à des questions vraiment, hein, c'est-à-dire qu'on peut, moi je, je l'utilise, euh, notamment l'oracle du soleil qui lui ressemble, vous voyez, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez l'utiliser pour des prédictions, mais vous pouvez également l'utiliser pour votre développement, pour votre évolution personnelle. Voilà, de toute façon, on va le voir euh, ensemble. Ce coffret est au prix de 26 euros, et je crois qu'ils sont tous au même prix d'ailleurs aux éditions Trajectoire. Comme je vous ai dit, vous pourrez aller voir sur leur site directement, éditions-trajectoire.fr. Je vous mettrai de toute façon le lien toujours, comme d'habitude, dans la barre d'infos sous la vidéo. C'est au-dessus au des commentaires. Pour ceux qui ne savent pas, il faut l'ouvrir. Il ne s'ouvre pas tout seul. Il y a une petite, toute petite flèche à droite. Il faut cliquer dessus. Et là, vous avez l'ouverture de, 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 du texte qui se fait sous la vidéo. Je le dis parce que je sais que certains de vous ne savent pas le faire. Voilà, alors le coffret tout simple, hein, dans cette belle couleur bronze, le livre explicatif qui est très épais, vous voyez, en couleur, on va le voir après. Et les cartes. Alors les cartes, justement, ce que je voulais voir, c'était par rapport aux cartes du soleil. Eh bien c'est exactement le même format. Donc ils ont fait une réédition au même format que. que alors j'ai pas eu la première édition de l'œil de lotus entre les mains. Mais euh, il me semble bien que c'était le même format que l'oracle soleil que vous voyez. Et en plus, bon vous voyez, vous reconnaissez bien la même symbolique avec chaque chiffre autour du, des mots-clés euh, et, la, et, et la belle image sur un encadré fond blanc. Voilà, donc l'oracle soleil a le fond soleil et l'oracle lotus. L'oracle lotus a bien entendu un œil qui représente le troisième œil, si vous le reconnaissez. C'est le troisième œil puisque vous avez les deux pétales du, du lotus, du troisième œil. Hein. Vous savez que euh, sur les chakras, euh, chaque chakra a un nombre de pétales différent euh, pour chaque lotus. Et là, vous êtes sur le troisième œil. Voilà, donc vous avez le troisième œil qui est représenté derrière. Voilà, allez, on regardera les cartes tout à l'heure. Pour l'instant, on va se concentrer principalement sur le livret tout en couleur. Et on les découvre ensemble. Alors, regardez, il est magnifique ce livre. Donc vous avez tout d'abord le symbolisme qui vous est expliqué. Donc on vous rappelle pourquoi l'œil de lotus, donc l'œil qui est le principe de la vision qui exprime la clairvoyance et ensuite le lotus euh, qui est le symbole des chakras hein, puisqu'on vient de le dire qui est le centre qui est chaque centre énergétique et qui sont euh, répartis le long de, de, de notre corps le long de la colonne vertébrale et euh, le lotus lui permet donc euh, d'accéder à la véritable intuition voilà pourquoi le nom œil de lotus ce qui est bien dans ce jeu c'est qu'il y a également une étude numérologique et qui est faite et celle-ci, elle ne concernera que la position de la carte dans le jeu. L'analyse de ce nombre donnera un premier ressenti, son sens, ses buts, les atouts qu'elle peut vous fournir dans certaines positions ou les leçons à méditer pour évoluer. Ce qui est bien également, c'est que du coup, ça vous donne... Le symbolisme numérique que vous pouvez utiliser pour d'autres jeux, hein, si jamais vous ne les connaissez pas. Donc, vous avez 54 cartes qui sont divisées en 6 phases, au cours desquelles les étapes, les opportunités vont su succéder. Donc, ils ont créé ce jeu comme, euh, comme une, une histoire, l'histoire de la vie. Vous hein, voyez, on commence par, euh, par le début et puis l'évolution, etc. Hop là! Donc d'ailleurs, je, je vais vous dire comment ça fonctionne. Donc vous avez tout d'abord une, une, une période de reconnaissance et d'individualisation qui va du 1 au 9. Ensuite, la période tournée vers l'extérieur qui va du 10 au 18 avec le déménagement, la transformation. Il, suffit, il peut s'agir d'un départ du logis ou une série de passages qui mènent à des évolutions. De la 19, printemps à la 27, vous avez la troisième période qui est l'expression personnelle, la force, la joie de vivre, l'enfant intérieur qui s'exprime, les désirs, etc. Ensuite, de la carte 28 à 36, c'est la clé jusqu'à l'automne. Et là, vous êtes sur la voie ouverte par le karma dans l'étape précédente. Mais en évidence les relations avec l'au-delà, les questions importantes prennent de la place, du coup, protection, chance, mort. Alors, il y a certaines lames qui sont un peu plus difficiles, qui s'y dans cette série pour mettre euh, des évi en évidence la nécessité des efforts qui sont à renouveler ou à transformer. Voilà. Et ensuite, vous avez la cinquième partie qui, elle, va euh, des nouvelles à l'envoûtement, donc de la 37 à la 45e carte. Et là, c'est chaque aventure vous, vers, vers, vous propulse var, pardon, vers la joie, le mouvement, la liberté, la transformation. Et cette progression se fait par paliers successifs. Voilà, et la dernière étape va de la 46 à la 54, vous avez la force et la sagesse, donc on, là on rentre dans, le, dans le, la maturité, euh, puisque la force et la sagesse en sont les deux pôles, c'est le temps où on fait le point, et c'est un point essentiel, euh, le pardon, je vais, y, je vais y arriver, je reprends, le temps est le point essentiel à développer, à développer, il prend la mesure de l'au-delà, il s'étire pour bien montrer que les grandes transformations sont lentes, elles arrivent parfois brusquement, mais c'est ce que l'on vit. Mais ce que l'on vit n'est que la conséquence d'une longue préparation. Voilà. Alors, en numérologie, tous les nombres sont réduits à un chiffre compris entre 1 et 9. Et tous ont une vibration particulière que vous allez retrouver schématisée ici et développée dans l'étude de chaque carte. Donc, voilà. Donc, pour vous dire qu'il est très, très complet. Donc, pour chaque carte, vous avez la miniature avec le nom de la carte. On vous explique le symbolisme avec le chiffre 1 qui correspond à la première carte du jeu, qui, a, qui montre l'affirmation de soi, le début, etc. Sur le plan sentimental, ce qu'elle représente, cette carte. Sur le plan de la santé, sur le plan professionnel, et ensuite sur divers sujets, c'est-à-dire si vous n'avez pas posé forcément de questions ou si vous n'arrivez pas à savoir sur quel domaine cela concerne. Et ensuite, vous avez les associations. Donc là, vous n'avez pas toutes les associations de cartes, mais certaines associations. Puis après, vous pourrez créer vos associations à vous. Donc on passe après à la suivante avec la femme, etc. Et là, vous avez donc tout le, toutes les cartes qui sont une à une bien détaillées. Vous hein, voyez que vous avez vraiment tous les domaines qui ont été traités. Donc pour les débutants, c'est parfait. À la fin, vous avez des exemples de tirages avec des exemples concrets, c'est-à-dire on pose la question ma relation affective se dégrade, que me réserve l'avenir dans ce domaine avec un exemple de tirage et la signification. Donc le tirage traditionnel, en croix, on croit que l'on connaît tous. Le tirage en fer à cheval avec cette carte. Le tirage le tirage <laughs> le tirage en losange le tirage astrologique pas mal aussi. Le tirage arc-en-ciel, donc vous voyez, il y en a un. Et ensuite, bon, les remerciements traditionnels pour ce petit livret. Voilà. Vous voyez qu'il est très complet, très bien fait. Si vous avez envie de vous le procurer, même les débutants, vous pourrez vous amuser avec. Et l'apprivoiser. Alors les cartes. Donc les cartes sont dans un format... À Identique de ce qui avait été créé au départ, donc puisque je vous dis que le soleil est exactement pareil, c'est la même épaisseur. Oui, c'est la même épaisseur. Elles sont pas très épaisses, mais euh, franchement, celui-ci, euh, je l'ai depuis un petit moment. Je l'utilise pas mal et euh, vous voyez, il n'a pas bougé. Elles hein. hein, sont moins épaisses que certains jeux, forcément. Il n'y a pas de tranche. Euh Doré, argenté, vous voyez, aucune tranche. Et comme je vous disais tout à l'heure, eh le dos représente votre chakra du troisième œil. Voilà, avec cette lumière qui, qui en ressort. Pardon, je bouscule tout. Allez, on regarde les cartes une à une. Donc là, vous avez l'homme, la femme, l'union. Vous hein, voyez les étapes petit à petit qui se font. L'espérance. Et bien du coup, après, forcément vient la naissance. Le choix. L'isolement. Vous avez la traduction en anglais dessous, au cas où. Les questions qui concernent le travail. Là, ça représente la famille. Souvent, les armes, ça représente la famille. Ou la santé aussi. Là, on est sur le déménagement. La justice, et la symbolique de la balance, l'amitié, qui, qui, pour, qui pour moi peut être aussi une, une, une entente, une hein, après comme, comme je le dis à chaque fois, vous avez la, la cœur, vous pouvez faire des... votre propre interprétation après hein, en fonction de, des cartes qui sont associées, en fonction de, du tirage que vous faites aussi. Alors, si vous avez déjà l'œil de lotus que vous vous êtes procuré euh, d'occasion euh, quand il était introuvable et que vous l'avez payé un petit peu cher, ne le regrettez pas, hein, parce que c'est un, un, une édition collector, hein, c'est la première édition et ça n'a rien à voir avec euh, les éditions qui sont faites après, euh, comme celle-ci. Euh, les premières éditions auto-éditées surtout sont généralement prennent beaucoup de valeur. Voilà. ça devient un jeu très rare après forcément puisqu'on le trouve plus aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire à part si vous allez sur les, les, les sites de vente d'occasion, vous ne trouverez pas la première édition. Là, on est sur la protection. Donc avec euh, le sel, vous voyez, ça change un petit peu de, de, de symbolique. Puis il y a le, les clous aussi. Là, on est sur le conflit. La guérison. Chance. Donc pour la numérologie, comme on vous expliquait, ben, vous êtes sur ces deux chiffres. Donc là, par exemple, vous êtes sur le chiffre 9. Alors, ce que vous pouvez faire également, vous pouvez, euh, si vous avez l'oracle soleil, les, euh, les travailler ensemble. Hein, puisque c'est euh, du même auteur, mais vous n'avez pas du tout, du tout les mêmes cartes. Hein. Je vous ferai un tirage à la fin avec une seule carte pour vous donner... Euh, On tira même deux cartes, hein. vous choisirez une ou deux cartes et on verra le message que l'on vous délivre. Je, lirai, je vous lirai les cartes pour qu'on euh, qu voit un petit peu comment elles ont été euh, interprétées par les auteurs, justement. C'est un couple hein, qui ont fait cet oracle. Alors, je peux pas vous dire, mais je ne pense pas que, que s'ils ont changé quelques images, mais je ne pense pas, hein, pour, sur la première édition. Ceux qui, qui ont peut-être la première édition pourront nous le dire. Mais a priori, pour moi, il n'y a pas eu de changement. Voilà, et ça, c'est la carte sans nom, c'est la carte blanche, la carte positive, c'est celle qui va, euh, qui va forcément, euh, entre guillemets, euh, influencer toutes les autres. Si vous avez des cartes négatives qui sortent et que vous avez la carte blanche qui sort dessus, et eh bien elle va quelque part atténuer les mauvaises cartes. Voilà. Allez, on fait un petit tirage. Regardez, elles se mélangent hyper facilement. Mais je vais les mélanger hors caméra. Voilà, je vous ai deux cartes. Est -ce Est -ce que que je veux qu'elles soient bien mélangées. Alors on n'a pas bien... posé de questions. C'est juste pour voir vraiment comment euh, l'interprétation a été faite pour que vous puissiez juger si ça vous plaît ou pas. Alors, si vous avez choisi celle de gauche, vous avez interdiction. Alors, pour retrouver la carte, c'est très facile hein, avec la numérotation. Symbolisme. Alors, il y a deux cartes qui utilisent des panneaux d'interdiction. C'est pour ça que le, le texte commence par cette carte, euh, cette deuxième carte utilisant des panneaux routiers précise les dangers, alors que l'autre incite à la prudence. Celle-ci impose un arrêt et une signal, et signale une obscure. Le chiffre 49, donnant 4, sous-entend la force de stabilisation et apporte la notion de réflexion et d'organisation. Ce nombre doit, doit amener à la précision, au sens de la rigueur, de, afin de ne pas s'égarer. Nous voilà arrivés devant une barrière qui, abîmée, signale en une impasse. L'interdiction d'aller plus loin, de s'engager, est très nette. Le fond noir, peu rassurant, incite ici à se poser des questions sur l'état de la chaussée. S'aventurer dans un tel chemin implique la prise de risque. Et toute personne attentionnée et responsable prendra la décision de revenir sur ses pas et d'emprunter une autre route. Après, vous pouvez prendre la route barrée, hein, c'est votre choix. Pour avancer, créer, il faut savoir prendre certains risques. Mais lorsque la voie est intérieure ou les avertissements supérieurs sont clairs, il faut écouter et ne pas forcer les barrages qui sont la plupart du temps des protections à notre égard. Savoir ouvrir les yeux permet d'être guidé. L'entêtement qui caractérise souvent le nombre 4 doit être contrôlé. Cette carte s'inscrit dans le dernier cycle, celui des responsabilités. Elle incite, elle incite au calme et à la pondération. Sur le plan sentimental, on vous dit qu'il y a plusieurs raisons qui vous incitent à ne pas poursuivre une relation. Celle-ci ne vous mènera pas plus loin. L'avenir paraît sombre. S'il y a eu un accrochage, il est le signe d'une mésentente. La barrière peut être franchie. Elle n'est pas si dissuasive que cela. La noisseur du lendemain devrait vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher. Vous avez toujours votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Ne vous aventurez pas à la légère au niveau de la santé. La prudence est nécessaire si vous voyagez. Cette carte concerne plutôt une attitude intérieure, le respect des lois. Cependant, elle peut être l'indice d'une mauvaise circulation sanguine, veillez à la maintenir en bon état. Sur le plan professionnel, vous voilà peut-être déçu. Vous arrivez au terme d'une étape, il faut réfléchir, le trajet se trouve semé d'embûches, de risques, et le tableau s'assombrit. Ne vous affolez pas pour autant, prenez le temps nécessaire, considérez votre évolution jusqu'à présent et voyez combien vous êtes protégé. Il ne s'agit pas d'un piège, mais bien au contraire, vous êtes guidé pour vous engager dans une autre voie plus conforme à vos capacités. Sur le plan divers, cette carte impose un temps d'arrêt nécessaire. Elle signale d'éventuels dangers si on s'aventure à la légère. Une protection supérieure est là pour vous guider vous interdire, à sa manière, cet accès sur un chemin difficile. Donc voyez, cette carte vous dit effectivement stop. À partir de moment il faut arrêter, il y a peut-être une situation que tu as peut-être un peu trop euh, menée, euh, croyant qu'elle allait te, 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 te changer la vie ou peut-être sur une relation. Voyez, quand te, des fois on ah oh, bon, ça me convient pas, mais bon. On excuse la personne, on se dit qu'elle va changer, on se dit que ça va évoluer dans le bon sens. Et puis ça bouge pas, ça change pas. Eh bien cette carte, cette carte, c'est votre guide qui vous dit maintenant stop. Il est peut-être le, le moment de changer, de s'arrêter, de, 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 de changer de chemin, de passer à autre chose. Euh, il y a la fin d'une étape. Vous voyez, voilà comment on peut interpréter cette carte. Après avec les associations, vous, si elle est associée à l'isolement la sagesse, le détachement ou la justice, eh bien elle va avoir d'autres euh, significations complémentaires. Voilà, on passe à la deuxième. Alors la deuxième, qui est la maladie. Oh, vous n'allez pas les aimer ces cartes-là aujourd'hui. Alors, 24. Parce qu'en ce moment, quand on parle de maladie, de suite, tout le monde s'inquiète. Alors, surtout, arrêtez de ne, ne penser pas forcément maladie, corona, gna gna, hein, s'il vous plaît. Cette carte symbolise surtout les soins. Sur une table, toutes sortes de médicaments sont répartis selon un ordre logique. De la gauche vers la droite, allant d'un traitement naturel vers un autre plus agressif. Donc, moi, j'imagine... Voilà qu'on vous dit peut-être, voyez que il serait peut-être temps, peut-être temps de revoir certains traitements que vous prenez ou ne pas abuser de certains médicaments. Euh, parce que l'allopathie la, la, la c'est bien, mais bon, ça reste chimique, peut-être se tourner euh, dans certains cas évidemment, vers euh, plutôt euh, de l'aromathérapie, euh, voyez des, 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 des médecines un petit peu plus douces. Vous voyez comme quoi, quand la, la carte de la maladie ressort ressort, pardon, il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir, je dis ça parce que je le sais, euh, dans les guidances souvent que je fais, euh, quand la carte maladie sort, euh, je prends un peu des pincettes, on peut dire, quand j'en parle, surtout dans des situations où, où comme maintenant, hein, ce n'est pas forcément évident, où les gens peuvent peut-être vite s'inquiéter. Eh bien, c'est pas parce qu'il y a la carte de la maladie que de suite, ça veut dire, oh là là, je vais être malade, je vais avoir une grave maladie, non. Voilà, il, faut, il faut vraiment regarder la carte dans son ensemble. Les piqûres, les potions sont l'indice d'une maladie, d'un trouble, elles sont là pour apporter une aide ou la guérison. Si ces soins ne sont pas suffisants, il faudra avoir recours à l'hôpital, symbolisé en arrière-plan par la croix de couleur rouge. Chaque aspect du traitement semble monter très une progression, mais ce qui s'impose d'abord au premier plan, ce sont les méthodes douces. Ceci nous montre à quel point il est important de ne pas agresser le corps, voyez la seringue privée de sa pointe est un conseil pour bien montrer que ce traitement n'est pas à conseiller, conseiller qu'en cas de nécessité. Et la croix, dans la partie la plus sombre, appelle encore à la vigilance. Elle peut sauver, bien sûr, en cas d'accident grave, mais elle n'entre pas en ligne de compte dans la médication habituelle. La bouteille contenant l'eau de-lys, fleur de la pureté, nous montre que l'esprit, dénué de complications, pur et beau, est moins sujet à la maladie. Le flacon a l'air solide. Comme le corps devenant résistant grâce à une telle attitude, l'hôpital peut toutefois s'avérer nécessaire pour retrouver l'équilibre ou la vie. Le rouge est aussi le symbole du sang et de la vie. Là, on est sur la symbolique de la carte, je vous le rappelle. Sur le plan sentimental, on dit quoi Une rencontre amoureuse peut avoir lieu dans le cadre de l'hôpital ou alors d'une maladie. Donc vous voyez, ça peut être, tiens, je vais rencontrer mon futur ou ma future. Euh, dans, un, dans un hôpital ou dans un. Ça peut être aussi. Euh, moi, je, 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 moi, je dirais pas que l'hôpital, hein, tout ce qui est lié au médical. Cette carte donne plus d'importance aux crises, aux périodes difficiles à traverser qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. Sur le plan de la santé, des troubles sont à prévoir. Quoi qu'il en soit, prenez la décision d'intervenir de manière douce de façon à retrouver un équilibre. La perspective de l'hôpital ne doit pas vous effrayer, il n'est d'ailleurs pas certain que vous deviez y aller. Moi je dirais plutôt, vous voyez, c'est le ressenti que j'ai par rapport au tirage et pourtant on n'est pas sur une guidance. Hein. Euh, j'ai l'impression que certains d'entre vous qui me regardaient en ce moment ont certains mots euh, et je ne sais pas pourquoi, je pense à l'estomac. Il euh, y en a certains qui ont des troubles d'estomac, de digestion. Donc, il y a peut-être peut quelque chose à regarder sur ce plan-là. Je vous dis ça parce que c'est mon ressenti. Hein? Je, je... Vous allez me dire pourquoi je dis ça. Ben, je ne sais pas, je vous le dis. Il voilà. ne faut pas chercher à comprendre quand je vous le dis. Vous travaillez pour, sur le plan professionnel peut-être un peu trop en ce moment. Il faudrait peut-être prendre du repos avant que la fatigue ne vous gagne. Il se peut aussi que votre situation professionnelle soit instable. Si c'est le cas, ne soyez pas alarmiste une transformation en douceur peut y remédier. Cette carte est aussi l'annonce d'un équilibre trouvé par l'exercice d'une profession médicale ou paramédicale. En divers, cette carte indique la plupart du temps des ennuis de santé plus ou moins graves qu'il faut prendre en compte assez vite pour éviter de devoir faire face à des troubles plus importants. Si on s'en occupe à temps, les solutions simples s'avèrent les plus efficaces. Et après, forcément, vous avez les associations qui vont atténuer ou euh, vous donner de, 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 des compléments d'informations à propos de cette carte, voilà donc pour moi, il y a quelques personnes qui nous regardent, qui ont peut-être choisi cette carte, qui ont certains mots euh, en ce moment des désagréments qui, qui, qui sont à l'intérieur, qui sont peut-être dus au stress, certaines choses. donc, voilà, qu'il faut peut-être soigner avec des, des médecines douces. mais je sais pas pourquoi pour moi c'est sur le plan digestif beaucoup. voilà, vous me direz en commentaire. Voilà, c'était la présentation de l'œil de lotus. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné envie de l'acheter. Euh, N'ayez pas peur des cartes que, que vous voyez. Hein, Ce sont des mises en garde. Ce n'est pas forcément des dangers euh, très graves, comme je vous disais. Surtout qu'on a fait juste un tirage à une carte pour avoir le message de la carte et pas forcément un vrai tirage ou un vrai tirage où on va forcément avoir des cartes associées. On peut pas... Ce pas un jeu... Euh, que l'on peut euh, utiliser juste avec la carte du jour voyez c'est pour ça que je vous dis prenez les messages que vous venez de recevoir comme des petites mises en garde et non pas comme des euh, comme des choses graves voilà il y a peut-être euh, des choses à comprendre vous me direz voilà j'espère que cette guidance vous a plu euh, Pardonnez mon ma voix un petit peu euh, un peu moins fluide que d'habitude je sais j'ai euh, passé une semaine assez euh, lourde on va dire et j'ai beaucoup dormi par rapport à l'habitude je ne suis pas une grosse dormeuse mais alors j'ai beaucoup dormi et généralement quand j'ai beaucoup dormi ça s'entend à ma voix je ne sais pas pourquoi et ma voix généralement quand elle est un petit quand elle se grave un petit peu comme ça c'est que je suis un petit peu plus fatiguée que d'habitude mais je vous rassure vraiment, rien de grave, juste besoin de repos ce week-end et ça, ça, ça tombe bien, c'est ce qui est prévu. Voilà, je vous embrasse très 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 fort, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que comme d'habitude, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail l'amour en soi chris@orange.fr si vous avez besoin de soins énergétiques ou d'une guidance personnalisée. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bisous bisous.